Yo tout le monde, yo Vinny Keke! Hey yo On se MC! retrouve pour une petite vidéo annonce sur la chaîne aujourd'hui les gars. Du coup ça y est, le Discord arrive. Ouais. Ça y est, ça y est. Il devait pas arriver aussitôt hein, pour ceux qui le savent déjà. On devait le faire arriver, je sais pas, dans 2-3 mois je pense. Ouais, et encore. Et On sait même encore. pas nous en fait. Mais vu, enfin bref, c'était dans longtemps, accompagné normalement d'une grosse annonce. Mais c'est vrai que le Discord, on va en avoir de plus en plus besoin je pense. Notamment avec la chaîne YouTube, surtout pour faire des vidéos quoi. Donc on s'est dit, bon allez, vu qu'il est beaucoup demandé, on va le sortir maintenant. Donc voilà cette vidéo, tout simplement, voilà, c'est la vidéo annonce Discord, dans laquelle aussi on va présenter le Discord. Donc après on va aller regarder tous les channels, tout ça, pour vous expliquer en gros comment ça va fonctionner. On vous donne pas le nom du Discord, bien entendu, voilà, vous l'aurez quand vous allez rejoindre le Discord. Mais voilà, on vous a mis un petit indice en fond du coup avec cette image-là. Donc voilà, essayez de deviner le nom du Discord, ça pourrait être marrant. Juste avant de commencer, je vais vous parler de deux points, moi en tout cas. Donc, le premier point, ça va être tout simplement que voilà, on va pas essayer de faire un Discord ultra complexe. Faut pas vous attendre à un truc énorme. Notre objectif, voilà, c'est pas non plus d'avoir énormément de gens. Ça va surtout être d'interagir au maximum avec vous donc, du coup, les vidéos YouTube et peut-être Twitch aussi, du coup. Donc, voilà, un maximum d'interaction entre vous et nous. C'est ça l'objectif du Discord. Et le point numéro 2 aussi, c'est qu'il faut pas que vous vous attendiez à ce qu'on soit non plus tout le temps sur le Discord, hein, Billy? voilà, on va essayer de s'alterner entre nous deux, On mais sera là de temps en temps. voilà, on sera pas là H24 sur le Discord. Voilà, parce qu'on a les trucs à côté de Fire Emblem aussi dans la vie, quoi. Une fois qu'on a dit ça, on peut aller, je pense. Ouais, Allez, let's let's go go. présenter. Bon, la scène va être un peu dégueulasse, hein. On a fait comme on a pu, hein. En mode gitan romain. Du coup, voilà, quand vous arrivez, on a juste mis pour le moment, du coup, 2-3 petites règles. C'est sympa de les lire, mais en gros, grosso modo, faut juste pas insulter les gens, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, lisez les règles quand vous arrivez. N'hésitez pas à vous présenter du coup dans le channel Directement. Présente-toi. Pourquoi pas mettre vos idées ici si vous voulez partager vos idées aussi, ça peut être cool. Par où on va commencer du coup après du coup, on va commencer directement par Fire Emblem Emblem Heroes, je Heroes. pense. Voilà. Donc le premier channel, tout simplement la taverne. Et donc là, bah, on peut parler de n'importe quoi, de tout ce que vous voulez. C'est ça, hein, le but, hein, de... Voilà, en gros, tout ce qu'on veut. Par rapport à... À Enfin, en Fire rapport avec Emblem. Fire Emblem Heroes. Donc, Évidemment, toujours. pas toujours, parce qu'au final, dans YOLO, il y a un petit channel où on peut Oui, non mettre un peu mais ce qu'on veut. là, pour le moment, dans Voilà, Fire Emblem dans Fire Emblem Heroes, c'est la logique, on parle Fire Emblem Heroes, parce que, voilà, si t'es pas un peu trop con, gars, tu comprends la Heroes. logique, quoi. Du coup, bien entendu, le premier channel, enfin, n'importe lequel, Billy Kaka, Oui. faut que tu nous expliques comment il se passe, celui-là, parce qu'il est un peu particulier, celui-là. Ah bah je te laisse, plutôt toi, c'est plutôt toi qui as eu cette idée, j'ai envie de te dire. Hey, il Voilà. essaie de refiler la patate chaude, vous avez vu? Donc voilà, vous savez que dans le On regarde vos builds, l'émission qu'on fait sur YouTube pour ceux qui nous suivent, on présente vos builds. Le problème, c'est qu'on est limité au niveau des places d'amis à l'heure actuelle. Vu que je peux avoir que 50 amis et 50 demandes d'amis. Donc dans tous les cas, on va continuer à faire quand même avec le système d'amis parce qu'il y a quand même des côtés positifs à faire avec ça, notamment de voilà, pouvoir inspecter les skills, les éléments, les armes, etc. Ça, c'est cool. Par contre, il y a des aspects négatifs à ça. Notamment le fait voilà, que vous ne puissiez pas du coup expliquer votre propre build et aussi que vous ne puissiez pas du coup forcément passer dans la vidéo vu qu'on est limité en place. Donc là, on a créé un channel Discord qui vous permettra tout simplement de poster un build unique et qui vous permettra aussi de l'expliquer en dessous. Et pourquoi pas aussi mettre un exemple d'équipe avec. Donc l'intérêt, c'est qu'en gros, si vous voulez poster votre build dans ce channel-là, vous faites une demande à Vidi ou moi. On vous donne le rôle pour poster dedans. Et donc chacun du coup pourra mettre un build. Donc le principe ça serait du coup que vous passiez en fin de vidéo dans On regarde vos builds. On en prendra je sais pas 4-5, ça dépendra du temps de vidéo avant je pense en fait. Et comme ça restera aussi un channel qui est assez propre vu que voilà il faudra vous nous demander la permission pour publier dedans. Et oui, je pense que j'ai tout dit dessus du coup. Et joint à ça du coup on a mis un autre channel build par contre. Dans lequel du coup vous pourrez commenter les builds de regarde vos builds et là par contre parler mettre autant de builds que vous voulez parler autant de builds que vous voulez ça c'est en gros c'est un peu restreint au niveau de la thématique juste quoi mais Alors sinon on met ce qu'on veut pour quoi récapituler, on regarde vos builds, c'est vraiment vraiment que pour poster un build unique un voilà build unique. Et build, c'est vraiment voilà pour commenter, pour parler justement du build que vous avez posté dans on regarde vos builds. Voilà. voilà c'est parfait.
On enchaîne avec l'onglet vidéo. Yes. Voilà, le principe en même temps, c'est d'avoir un Discord qui est lié à la chaîne YouTube, donc forcément un onglet vidéo. Donc là, tout le monde, pareil, peut publier dedans. Donc l'intérêt, c'est de parler de mi-vidéo, mais aussi de vos vidéos si vous en faites. Voilà, faites votre pub ici pour vos chaînes Twitch, YouTube. Ou même si vous regardez voilà, des vidéos d'autres YouTubeurs que vous voulez commenter la vidéo, n'hésitez pas à venir du coup dans ce channel-là. C'est fait exprès, surtout voilà, parler des vidéos, quoi. Mm. Tout simplement, YouTube. Le channel Invocation, forcément. Farci-moi pour la Kennedy. Obligé. Et oui, l'invocation gratuite, voilà, mettez tous vos poules, votre rage, vos pleurs, vos chats totales, quoi. C'est, vos déceptions. C'est le channel rage, on aurait pu l'appeler jorage.com, mais bon. Channel intéressant. Du coup, on enchaîne avec le channel artwork. Donc ça, c'est encore un petit point d'interactivité entre vous et nous, du coup. Si vous savez, en fin de vidéo, j'aime bien mettre des outros, à chaque fois changer les images de temps en temps et tout, avec des musiques différentes aussi. Donc voilà, si vous avez des artworks sur Fire Emblem que vous kiffez et tout, n'hésitez pas à les mettre ici, du coup. Et moi, si je les kiffe aussi, du coup, ils passeront peut-être en fin de vidéo, quoi. Et on va terminer, du coup, avec le channel Infernal. Donc là, bah, tout simplement, l'Infernal, donc, c'est mettre l'équipe avec laquelle tu as réussi le mode Infernal pour les maps spéciales. Ouais, les grandes batailles, quoi. Pour les grandes batailles. Voilà, tout simplement. Et après, donc, tu expliques derrière quel skill tu as mis et tes compos d'équipe. Et ta compo d'équipe, et voilà. Peut-être, pourquoi tout, pas, nous mettre une note par rapport à la difficulté aussi, ça peut être sympa. Comme ça, on voit si les gens ont galéré ou quoi, tu vois. Ça peut être cool. Du coup, on a fini avec le channel Fire Emblem Heroes. Pour le moment, voilà, ça suffit large, je pense. Oui, je pense qu'on est déjà pas mal. Hein. Dans tous les cas, je pense pas qu'on sera énormément sur ce Discord, quoi. Mais c'est déjà pas mal. On enchaîne avec, du coup, le channel YOLO. Qui va du coup surtout être un channel vocal en fait, enfin plusieurs channels vocales. Donc concrètement, il y en a deux à l'heure actuelle. Ça me paraît. Vocaux, oui, vocaux, pardon. Désolé, désolé, j'étais obligé de le reprendre. Ça me gênait, ça me gênait. J'étais obligé. Du coup. J'entends rigoler. Un chacal des chacos. Eh, hey, une motale des motos, on dit. C'est vrai, c'est vrai, n'est-ce pas un potal des motos. Alors, du coup, et voilà, comme je disais, bien entendu, les vocaux. Et avec un petit channel admin, dans tous les cas, on pourra vous glisser dedans si jamais nous on est dedans, quoi. Et la buvette, du coup, qui est là, le channel où vous pourrez parler de tout et n'importe quoi. Voilà, si vous avez kiffé vos Kinder Pingui ce matin, voilà, vous pouvez poster une photo et tout en train de manger vos Kinder Pingui, tout ça. Connaissance de cause, hein. Connaissance de cause. Parler d'animé, de film, tout ce que vous voulez, Jackie Michel. Bon, c'est ici, quoi, sur Dans la buvette. Et on finit du coup avec un des plus gros éléments du Discord, je pense, le FH Talk Show. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va commencer, enfin, on reprend les lives sur Fire Emblem Heroes. Et avec ça, on a sorti une émission qui s'appelle le FH Talk Show. Donc en gros, je vous explique très rapidement le concept. Chaque gros patch, vous savez, on aime bien faire des FH Actu sur la chaîne, où on présente l'actualité et on la commente. Rapidement quand même, parce que ça reste quand même un type de contenu assez rapide. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un talk show en gros qui sera à côté, si vous voulez, des FOH Actu, qui du coup sera sur un format beaucoup plus long, puisqu'on est sur un format 2 heures. Une heure, 2 heures à peu près. En gros, qu'on mettrait donc pour chaque grosse mise à jour. Qu'est-ce qu'on entend par grosse mise à jour? Voilà, la 3.0, la 2.0, 2.5, des choses comme ça. Dans laquelle, voilà, on aurait des sujets prédéfinis. Et dans laquelle, du coup, on débattrait autour de ces sujets, si vous voulez. Donc l'intérêt, ça serait que moi, je sois là un peu en tant qu'animateur, et qu'avec moi, il y ait 3-4 personnes, donc parmi vous notamment, qui soient là du coup pour débattre autour de l'actualité du jeu. Ça serait cool à chaque fois de changer un peu les personnes. Vidi, tu m'accompagneras du coup aussi sur cette émission. Bah, j'essaye d'être là le plus souvent, mais pour moi, en ce moment, c'est un peu compliqué, voilà, pour les FH Talk Show, mais je vais essayer. Donc ça serait cool, et donc le principe, c'est que de par le Discord, ça nous permettrait aussi de vous sélectionner. Voilà, notamment les gens qui sont actifs, qu'on voit qui sont sérieux, etc. Mmh. On pourra les sélectionner directement sur le Discord, comme ça c'est plus simple. Et donc voilà, on a 2 channels vocaux du coup. Sachant qu'aussi en fin d'émission, on prendra aussi des gens, un peu, on prendra, je sais pas, 5-6 personnes en fin d'émission, si tu veux, pour qu'elles donnent aussi leur point de vue sur un des thèmes qui a été énoncé, ou carrément qu'elles viennent avec un thème. En fin d'émission, à chaque fois, là, si on a le temps. Donc comment ça se passe? Tout simplement, vous allez dans le channel attente
Nous, on est dans le FH Talk Show et après, bim, on vous pique et on vous ramène dans le talk show. Ça se passerait comme ça. Bon, aussi simple. J'ai tout bien résumé, je pense. Oui. J'ai pas trop mal hein, pour l'annonce. Donc voilà, bien entendu, on est plutôt content de ce Discord. J'espère que on fera. J'espère que ça vous plaira. On rigolera bien, surtout. Oui, plus important, c'est de rigoler, quoi. Et puis voilà, ça va être sympa pour les vidéos. Dans tous les cas, vous avez le lien dans la description. Et n'hésitez pas, avant de venir, du coup, peut-être, pour voir le nom du Discord, à donner une idée, du coup, pour le nom. À votre avis, qu'est-ce que c'est? On remonte une dernière fois l'indice. En fait, si tu veux, le nom, il est déjà. Je sais, ils l'ont peut-être pas remarqué. J'ai fait exprès de le glisser, en fait, à un moment. T'as vu ce montage déception, quand même, hein? Ouais. Je gère du montage ou pas, quand même? Ouais, c'est pas mal. T'as vu ça ou quoi? Peux le faire. Alors, dire, t'es, comme d'habitude, putain, t'es toujours tout nu, mais bon, ça, c'est pas grave. Et t'as vu, j'ai censuré un peu, quand même, parce que... Je t'ai dit, quand même, il va rigoler après, évidemment, et tout. Bon, sur ce, on se laisse, non, vous dites caquette? Eh oui, on se laisse. La braquette, quand on arrive, c'est du lui, en plus. Peut-être, on va voir. Quand même, pause, hein. La battle qui arrive bientôt, du coup, qui sera le grand gagnant. Pourquoi pas faire aussi, je pensais, un channel spécial battle. Mm. Pour les votes ou quoi, les trucs comme ça. Ça on verra plus tard. Voilà, déjà, on va voir ce que ça va donner. Déjà, on laisse tourner comme ça. En tout cas, c'est simple et tout. Enfin, simple, c'est quand même pas mal développé, mais... On a d'autres idées pour l'avenir. On se laisse sur ça. On se laisse sur ça. À bientôt, du coup, sur Discord. Ciao.